Bonjour à tous et à toutes, ici Lumi13. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une map, donc la map avec Pokémon. Donc j'ai mis la version comme ça vous savez sur quelle version je joue. Donc c'est une copie d'un autre parce que j'ai dû faire des tests avant et je voulais montrer au moment où on choisit son Pokémon. Donc du coup ce que je devais faire c'est recréer la map parce que la map me semblait bien. C'est un désert et tout, donc je voulais pas refaire une autre map. Voilà, ce qu'on va faire, c'est simple. On va créer le monde et je vais vous expliquer. Donc ici, comme j'explique en ce moment même, nous avons le mode Pixelmon sur 1.10.7 comme version. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que c'est fluide. Donc pendant cela, on va créer le monde. C'est que c'est fluide, je peux faire des vidéos sur cette version-là. Et on est, oui, et les gens, on est bel et bien sur la version Java. C'est étonnant. Je pensais que je pourrais même plus faire de vidéos sur cette version-là parce que c'était plus intéressant sur la version Java avec les modes qu'il y a. Donc avec, il y a plus de propositions à faire que la version sur PC, sur Windows 10. Donc vous avez compris la version Windows 10, donc celle-ci. Je vais vous la montrer. Donc celle-ci, la version là, c'est la version Windows 10, hein. Donc c'est plus intéressant que celle-ci. Eh ben, tu vas te fermer, crétin. Eh ben, celle-ci est beaucoup plus intéressante parce qu'elle propose, on peut avoir plus de contenu. Donc voilà, ici je vérifie si tout va bien avant de commencer n'importe comment. C'est bon, tout fonctionne. Yes, nickel. Donc voilà, vous avez vu. Attendez, voilà. Il marque ça. Donc au début, quand vous avez créé votre map, que vous allez sur n'importe quelle map, peu importe, même une map que vous avez téléchargée préalable, c'est normal, vous allez avoir ça qui s'affiche automatiquement. Donc ce mode est réalisé par des fans. Toutes les marques et droits d'auteur sont la propriété de Nintendo et de Gamefrek. Soutenez Nintendo, Gamefrek, en achetant Pokémon X et Y, etc., etc. Qu'ils ont raison. Donc maintenant, vous voyez, ça bug un peu, mais non, ça c'est normal, c'est pas grave. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenir ou pas. Je vais appuyer constamment comme ça, c'est normal, pour vous montrer les stratères qu'il y a. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vous avez 15 stratères, si je compte bien. Donc vous avez Bulbizarre, Germignon, Arco, Tourtipousse et Viperrière comme petites plantes. Ah, j'avais même pas vu qu'ils étaient classés par catégorie de type. Alors, en dessous, les types O, vous avez Carapuce, Caiminus, Gobou, Tiplouf et Moustillon. Et enfin, les derniers, vous avez Salamèche, Érissandre, Poussifeu, Ouisticram et Gricouille. Donc, moi, je vais prendre Érissandre. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez appuyer sur votre Pokémon, vous allez être automatiquement mis sur la map. Et ce qui est bien, c'est que pendant que vous êtes occupé à regarder et à réfléchir quel stratère prendre, et ben en arrière-plan, la map est en train de se charger. Donc du coup, ben, c'est pratique, comme ça vous ne laguez pas. Et c'est le début d'une belle aventure dans Minecraft. Alors, pour des raisons d'éviter d'avoir des mobs, j'ai mis en mode paisible. Donc ça veut dire que normalement, par logique, il ne devrait pas avoir de zombies ou tout ça. Ça m'intéresse pas, on est dans un monde Pokémon, on n'est pas dans un monde de Minecraft. Enfin, si, on est dans Minecraft, mais je veux dire, je veux pas de zombies, je veux pas de creeper qui fait crocropeur. Donc voilà. Donc voilà pourquoi j'ai gardé cette map. Parce que j'ai déjà la map, je vais vous montrer. Regardez. Ah, j'ai déjà cette map là, donc celle-là, je vais la supprimer comme ceci. Hop. Et voilà pourquoi j'ai. Je vous dis que j'ai recréé une map, c'est parce que c'est vrai. Donc du coup là on va un peu attendre parce que comme un con je recharge la map, donc ça va prendre un petit moment avant que ça charge. Donc on attend. Donc voilà, c'est comme vous avez vu, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, la fluidité n'est pas mauvaise. Et surtout que j'ai réduit les chunks à 4 parce que j'ai pas un PC puissant, on a 60 FPS et voilà, c'est nickel. Même peut-être réduire autre chose. Est-ce qu'on a vraiment besoin des nuages? Je ne pense pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer les nuages. Voilà. Est-ce qu'il nous faut vraiment les graphismes détaillés?
Je ne sais pas, je vais vérifier ce que ça peut changer quelque chose éventuellement. Pas vraiment, hein. Je pense qu'on va faire sans. On va vraiment faire sans. On va faire sans les graphismes détaillés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ou pas. Donc voilà, comme ça on est sûr que ça soit fluide. Et ça permettra de faire une belle aventure sans lag. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reloader, même au pire, pour être sûr qu'il n'y a pas de soucis avec Minecraft. Donc, maintenant, vous avez vu, j'ai mis au plus faible les graphismes, le chunk. C'est ce qu'il faut faire, les gens, c'est qu'il faut réduire vraiment votre chunk au plus bas pour avoir une bonne fluidité du jeu. Et c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir une bonne fluidité. Hein. Je vais même faire plus, je suis un fou parce que je m'en fous un peu. Je vais réduire encore les chunks de 3. Voilà. Je suis un fifou. Vraiment, comme ça, on a une bonne fluidité. Donc voilà, on est dans Minecraft, on a des Pokémon, voyez-vous. Donc je sais que à cause de la réduction des chunks, on n'a pas de grande place, mais croyez-moi, c'est soit ça, ou soit le jeu n'est pas fluide du tout. Que j'ai pas un bon PC. Voilà, on va réduire au plus bas, vraiment pour le PC le plus pourri au monde, c'est le mien. Donc voilà, comme ça vous avez normalement le jeu est fluide comme tout. Parce que j'ai réduit les chunks. De toute façon, on s'en fout, on n'a pas besoin de voir loin. Ici, c'est une aventure Pokémon. Donc, de toute façon, dans Pokémon, de base, c'est des maps. Les maps sont un peu. Enfin, voilà, je me comprends. Donc, c'est mieux de faire comme ça. Donc, vous voyez qu'il y a de toutes sortes de Pokémon. Normalement, du coup, c'est fluide. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Comment on fait pour faire sortir le Pokémon? On appuie sur R. Là, vous avez le Pokémon qui sort. Donc regardez, c'est moi, c'est bel et bien un hérissandre où il est marqué Delphiche niveau 5. Vous appuyez sur la même lettre pour le récupérer. Voilà, il est parti, il est revenu sur place. Donc voilà, c'est une chose de bien. Donc voyons voir ici, il est au niveau 30, 34. Donc je peux pas me battre contre cette bestiole-là. Donc comme ça, il faut faire quand vous voulez lancer sur le Pokémon. Je vais vous montrer plus amplement. Donc regardez, on va essayer de trouver un Pokémon au niveau 4. Niveau 16, c'est trop. En plus, le pire, c'est que c'est mélangé. C'est vraiment mélangé. C'est ça le souci, en fait, les gens. C'est que c'est mélangé. Les Pokémon sont mélangés. Donc, du coup, c'est assez gênant. Donc, ça, c'est une astuce pour les gens qui n'ont pas un PC puissant. C'est que il faut réduire votre chunk. C'est obligatoire, s'il n'y a pas le choix. Aïe. C'est comme ça, il faut faire avec. Donc je dois éviter de toucher un Pokémon, sinon je vais avoir des ennuis. Des Pokémon niveau trop levé, quoi. C'est ça le souci, en fait, vous avez des Pokémon. Ah ben voilà, niveau 7. Là, il est pas mal, mais il est un peu trop haut pour mon Pokémon. Je vais encore un autre. Niveau 24, c'est trop haut. Oula, doucement, doucement le Pokémon. Doucement. Alors, écoutez, je cherche, mais je crois que je cherche. Donc vous voyez, ça saccade encore même malgré tout un peu. Donc vous imaginez si j'aurais mis les chunks à fond, j'aurais eu dans les FFS un peu. Donc on a un dresseur Pokémon là, mais le souci c'est que il est au level 7. Mais je pense que je vais éviter de me battre contre parce que je crois que je suis pas assez puissant contre cette personne-là. Je suis trop faible encore. Dès qu'au niveau 5, mon Pokémon, il faut le rappeler. Niveau 16, vous voyez, en fait, c'est mélangé vraiment. Hein. Vous n'avez pas le choix. Écoutez cette belle musique. Ouais, il a une musique. Et oui, dans Minecraft, là, on a une. Oula, attention, attention. Regardez ce Pokémon qui a voulu me foncer dedans. C'est vraiment dangereux. Du coup, je cherche, je sais pas si je peux aller. Non, c'est pas là. Oh, les gens, je ne sais pas où aller. Je n'ai que. Est-ce que c'est du Minecraft malgré tout? Je sais pas. Est-ce qu'on peut récupérer du bois par exemple? Oui, les gens, on peut récupérer du bois malgré tout que c'est du Pixelmon. Donc, c'est étonnant. Donc, je suis encore désolé pour les réductions de chunks. C'est pas ma faute. C'est pas un PC puissant.
Après, c'est toujours jouable. C'est juste que vous verrez pas tout loin que votre nez. C'est un peu brouillardex, comme on dit, il y a beaucoup de brouillard, donc du coup. Mais c'est conseillé quand on a un PC de merde, donc voilà, comme le mien. Enfin, c'est pas un merde non plus, mais c'est un PC qui n'est pas puissant. Donc voilà, comme ça vous savez comment faire si vous avez un Minecraft et que ça lag à mort dessus. Réduisez les chunks au plus bas pour voir ce que ça donne. Et puis au fur et à mesure que c'est fluide, vous montez un peu et vous verrez jusqu'au niveau que ça lag. Parce qu'en fait, c'est question de chargement de map, donc c'est normal que ça lag. Ici, comme vous voyez, on a aussi des Pokéballs. Regardez, des Pokéballs qu'on peut récupérer en clic droit. Donc ici c'est trouver un appa balle, donc il me sert à rien pour l'instant. Donc en fait ce mode il vous met beaucoup de choses en fait. Niveau 49 les gars, c'est abusé là. Niveau 23, oh, mais ils sont niveau 3 les mecs, niveau 3, et en plus c'est la faiblesse le... Wow. Marche pas quoi. Enfin! Et en fait c'est ça les gens, il faut lancer sur le Pokémon en fait. Le petit souci c'est que donc vous avez le choix entre Pokémon sac, donc vous avez tout ce qu'il faut comme sac, hein, c'est habituel. Regardez ici, j'ai la Pabol, capturer parce que sinon j'ai dans la merde. Battle item, et vous avez les PV et tout, donc tout ce qui est naturel dans Pokémon. Donc vous avez le Pokémon, donc vous avez interface qui ressemble à ça. Vous avez un sac, que j'ai déjà montré, je suis un peu con. Vous avez fuite, vous avez combat. Donc comme dans le jeu, vous avez le choix entre charge ou autre chose. Donc ici, voilà, il s'est pris un coup. Ce que je vais faire, c'est que je vais le tuer. J'aurais bien voulu le capturer, mais mon Pokémon a besoin d'expérience, donc je suis obligé d'un peu le pexer. Voilà, du coup le Pokémon augmente de niveau, il est au niveau 6, voilà. Vous voyez, c'est si simple que ça. Voilà, j'ai un Salamèche au niveau 6. Donc on va remettre le jour. Parce que on s'en bat les cacahuètes dans Pokémon. On est dans le Pokémon ancien. Voilà, on monte. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ils sont belles les musiques, sincèrement. C'est waouh, sont très belles. Sont très belles les musiques. Et ce qui est bien avec mon OBS, c'est que je sais voir si ça fonctionne parce que j'ai la cam qui est ouverte, donc du coup je dois pas m'inquiéter. Ben on va aller voir s'il est au niveau faible ou pas les gens. On va aller voir. Comme vous voyez, le pack de textures que j'utilise, c'est chevalerie machin. Un pack de textures qui va avec. Mais je peux pas mettre d'autres packs de textures parce que. Celui-ci, parce que sinon ça marche pas, ça lag trop. Le pack de texture Pixel Monde, je pense que ça marcherait pas, ça me ferait ramer. Oui, parce que je suis sous Windows 10, donc du coup il y a des soucis avec de compatibilité. À votre avis, pourquoi ils ont proposé un nouveau Minecraft? Wow, putain, fruit, merde, je me le suis pris en pleine face. C'est bon, autant se battre. Hein. Tenter un truc les gens.
Marrant le bruit. Voilà, mon Pokémon est KO, les gens. Donc je suis tranquille, on va me foutre la paix. Enfin, c'est pas le but, mais il faut que je trouve un centre Pokémon et je ne sais pas où c'est. Et oui, les gens. Je ne sais pas où on trouve un centre Pokémon, ils ne le disent pas. Voilà, regardez, si j'avais un bon Pokémon niveau machin, bah, j'ai dans le fesse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se giver des trucs. Parce que, pour débuter en tout cas. Gamo. Comme ça, on voit un peu les nouvelles items qu'il y a. Donc, c'est où? Ah si, vous voyez ici. Hop, voilà. Pokémon. Voilà. On va se quitter. Pokéball. Des Master Ball. Non, j'ai con. Ah, Poké Coffre. Oups. Faut que un Poké Coffre. Comme. Voilà. Voilà, il faut des Pokéballs pour commencer. On va prendre aussi des potions. Donc vous voyez, il y a tout, hein. Oui, je trichais un peu au début, sinon je galérais. J'ai bien envie de prendre un seul rappel max. Ouais, fuck, on va prendre au moins un rappel pour vraiment le début, parce que sinon je vais galérer. C'est vraiment aider. Et puis, de toute façon, c'est aussi surtout pour vous montrer. Alors après, est-ce que vous me direz si vous voulez faire des let's play ou quoi? Donc voilà tous les badges du jeu. Donc vous avez les potions, les noix grumes, les nouveaux, des pierres aussi, bien sûr. Là, rappel, là, vous avez des objets, maniaseur. Oui, c'est des objets rares pour évoluer, ça c'est juste. Donc voilà, vous avez tout ça. Vraiment, il y a de quoi faire dans le jeu. Il y a de quoi s'amuser pendant des heures. Il n'y a pas de souci pour ça. Vous vous amusez, vous allez vous amuser. Voilà, ça c'est tous les CC pour apprendre les attaques et tout. Draco, machin. Là, vous avez les lettres. J'étais déjà dessus. Donc pour revenir à la normale, comme vous avez vu ici, on appuie là. Et hop, on est de retour à la normale. C'est plutôt là qu'il faut appuyer. Donc voilà, ça c'est fait. Je me suis guidé de ce qu'il faut pour débuter parce que sinon je vais galérer. Donc je vais pouvoir capturer quelques Pokémon ou au moins tenter. Je sais que c'est un peu de la triche, mais sincèrement, croyez-moi, il vaut mieux pour moi parce que sinon j'y arriverai pas. Vous pouvez être sûr et certain, sinon j'y arriverai pas parce que je suis une gourde dans ce jeu. Donc vous prenez l'objet, vous le mettez sur le Pokémon, ça le ranime. Donc là, il n'y a pas assez de. Donc de même, vous prenez un objet, vous appuyez dessus et hop, ça le ranime. Ah non, c'est pas comme ça. Ah voilà, vous appuyez sur clic droit. Hop. Ah non, c'est pas ça non plus. Le mec, tu sais, il vous raconte des couilles, pas possible. Non mais sérieux, comment ça marche? Oula, les gens, je sais pas comment ça marche. Bon, ben, je sais même pas le soigner moi-même parce que je sais pas comment ça fonctionne. C'est génial. C'est là qu'il faut. Génial, c'est super. Je sais même pas soigner mes Pokémon parce que je sais même pas comment ça fonctionne. C'est génial, les gens. C'est pas ça, éventuellement. Bon, ben, tant pis, le KO, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il faut que je. Suis obligé de trouver un centre Pokémon. Je vais tenter de capturer des Pokémon. J'y crois pas trop. On commence bien les gens. Ma Ponyta. Je suis fou.
Oh, j'ai testé la Pokéball en bas. D'accord, donc c'est comme ça qu'elle marche. Du coup, ça disparaît carrément. Oh les gens, j'ai capturé un Ponyta niveau 34 quoi, sérieux? Ouais. Attendez, je suis pas en game mode là. Non, je suis en vie. Génial! Quoi? Charge. J'aime bien le bruit qu'il fait là, c'est cool. Ouais, c'est pas mal! Ah, c'est peut-être comme ça qu'il faut utiliser les trucs. Ah ben oui, c'est comme ça les gens en fait. Faut être en combat pour pouvoir remettre les vies. D'accord. Combat, on charge. 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 Tac. Balle, hop. Lol, il était de l'autre côté, le mec il jette ça de l'autre côté, oui. Bon, elle a capturé, vous inquiétez pas. Non. Bah, voilà, on capture. Et quand tiens, je veux. Et si tu veux pas être dans mes amis, crève alors. Merde, j'ai fait une mauvaise attaque. Ouais, regardez les gens, c'est cheaté. Je remonte mon Pokémon tellement bien. Le niveau 19 maintenant. Ouais, c'est cheaté. Donc vous voyez comment ça marche en fait, c'est comme ça, vous choisissez tout, vous disiez oui. Et voilà. Oh, Erisande évolue! Ouais, les gens, c'est pas mal, hein, avec moi qui est derrière, c'est génial. J'ai rien vu, mais c'est pas grave. Alors, est-ce que ça va cracher? Non, c'est comme ça crache pas. Donc le Pokémon est blanc. D'accord. Oh, qu'il est beau. Oui, le goût est pas moche. Et voilà. J'ai un. Ah, il est dans mon. Voilà les gens, j'ai un Pokémon trop beau. Et on commence bien les gens. Hein. On commence bien le let's play. D'ailleurs, en parlant de let's play, on a compris. On est à 23. À 30, je quitte hein, les gens. J'aurais eu votre test du début. En espérant que c'est fluide, donc surtout aussi. Que si ça se fait, ça va pas être fluide du tout. Démonter ça. Oh, c'est pas facile de. Oui, j'ai l'air con à essayer de le lancer, mais c'est comme ça les gens que ça marche. Ah, mais il. Ni ce coup. Là, j'ai touché quoi, sérieux. Ah, mais j'ai raté quoi, sérieux. Ah bah enfin! C'est chaud les gens pour essayer de. J'aime bien le cri qu'ils font, ça c'est à cause de mon pack de textures, c'est assez drôle. Ça me fait rire. C'est marrant.
FMI. Parce qu'on s'en fout de la nuit, on est en plein jour. Moi, c'est ici, c'est mode détente en fait. Je vous fais en fait plus découvrir le jeu que vraiment faire des challenges. C'est un mode détente. C'est jouer quoi. Donc voilà, vous avez vu le principal. Allez, on fait encore un dernier combat. Dernier combat pour le jeu. Avec le bruit qu'ils font. Yeah, on a gagné les gens. Alors. Alors les gens, je vous dis à bientôt. C'était Lumitresse, j'espère. Lumitresse, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Il y aura peut-être des séquences coupées, je sais pas. Donc si vous voyez des cuts, c'est normal. Donc on verra, je vais voir ce que je laisse et ce que je laisse pas. Donc je vous dis à bientôt et c'était Lumitresse. Bye bye.